Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo débat, si je peux appeler ça comme ça. Alors c'est vrai, je sais que cette vidéo sort un petit peu tardivement. J'étais absente pendant une quinzaine de jours, donc j'avais envie de revenir sur cette fameuse cinématique Vex que l'on a vue diffusée dernièrement sur YouTube. Donc cette scène, une cinématique Vex dans laquelle il est question de la fabrication d'une entité Vex qui, on le sait, sont les maîtres incontestés des manipulations spatio-temporelles. Donc il pourrait très bien s'agir par exemple d'un Vex en train de se nourrir, d'aspirer une énergie qui l'amènerait à se réanimer. Donc on a du mal encore à distinguer vraiment ce qu'il se passe dans cette séquence. On voit juste un Vex qui est en train de revenir à la vie. C'est la seule portion d'image que l'on a. On sait que ces images sont issues de montages qui ont été réalisés par Prologue Film, qui sont tout simplement un studio qui a collaboré avec Bungie sur certaines cinématiques des précédents DLC, à savoir La Maison des Loups et Le Roi des Corrompus. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il pourrait très bien s'agir d'une cinématique issue du potentiel DLC Vex Void, dont on avait aperçu le nom sur un très vieux tableau de projet en rapport avec Destiny, un tableau qui avait vu le jour et avait été évoqué lors d'une conférence longtemps avant même que Destiny premier du nom ne sorte. Donc on sait que ce tableau n'a pas été 100% respecté, il n'a pas été suivi de façon fidèle, mais nous sommes donc librement en droit d'émettre l'hypothèse d'une potentielle future sortie de ce DLC qui n'a donc jamais été diffusée et qui pourrait très bien voir le jour à l'occasion, pourquoi pas, de Destiny 2. Qui sait? Donc pour l'instant, nous n'avons pas plus d'infos, mais on est peut-être en présence de potentielles futures images de Destiny 2. Réponse, bien évidemment, à l'automne 2017. Je vous laisse sur ces quelques suppositions. J'espère que ces infos vous ont plu. N'hésitez pas, comme toujours, à les partager et je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos au sujet de Destiny. Ciao tout le monde!